Salutations YouTube. On va jouer... Sainty Keeper. Regardez, ça c'est osé. Peut-être farmer pour avoir le swallow de Penny vu qu'on a 9 bombes. Est-ce que ça serait fort avec triple shot ça? Je sais pas. Je suis déjà en train de regretter ce que je fais hein. Oui, c'est vrai. Non, non! Oui! Ah, j'ai niqué 6 bombes pour Dalque. Le problème, c'est que je perds beaucoup de range. Ah oui, mais ouais, ok. Je suis obligé de farmer, tant pis pour la vitesse, parce que l'objet de boss va me coûter 15 aussi. Comment je force? 7 bombes et je l'ai jamais trouvé, j'ai le seum. C'est un Lucky Penny. Trop dur. Curse of the Blind. Ouais, mais du coup, est-ce que j'achète quand même au shop, enfin à l'item room, un objet où j'ai absolument pas l'info? Non. Mais non! Non! Mais putain de feu, quoi! Ma thune, merde! J'ai acheté. Thank you.
Ah, faudrait que je laisse les spawns de mouches, ouais. Bon, c'est pas grave. Et pitié. C'est une blague? Mais... Je veux que ça s'arrête? Ok. Je vais y crever. Ah, oh, le swallow de Penny, il est là. Merci à tous. Et c'est vrai qu'il faut que je laisse l'argent. Oh non. Faut que je laisse l'argent qui pop. Ok, est-ce que c'est bien sérieux? Et non, fallait. Mais ça me donne tellement de stats up. Mais d'un autre côté, je peux farmer des ressources avec mon bouquin. Je trouve ça tellement fort, le stats up que ça donne. Bon, je joue pas Sacrifice Room, visiblement, vu que je prends la thune alors que j'avais dit que je la prenais pas. Je suis un connard. Sachez-le. Très grave, là. Je pense que je vais quand même le jouer comme ça et pas utiliser mon bouquin. Bon, dommage pour la Sacrifice Room, hein, j'ai un peu trollé mais... Si si, je me suis rendu compte que j'ai skippé le premier shop, mais le shop m'intéresse pas en réalité, pour l'instant. Ah mais non, mais parce que Better Shop, si le shop m'intéresse et je suis un connard. Merci à tous. Par contre, j'utilise pas le bouquin. Je laisse l'argent là. C'est une autre sacrifice. Mais j'étais censé faire un boss rush, je crois. C'était mon projet. Dommage. Non, mais... Je dis que je laisse la thune et je la prends tout le temps, celle qui est fixe. Putain, mais c'est pas possible d'être aussi con. Bravo. L'argent. Que j'ai l'ampoule hein. Parce que là faut pas qu'il y ait des gens qui se demandent mais pourquoi il utilise jamais son objet bordel. Il y a une raison, c'est que je suis beaucoup plus fort en l'utilisant pas. Qu'est-ce qu'on en pense du bouncing tears? Mais non, mais pourquoi je le prends? Ah oui. Rubber Cement, bah, est-ce que ça donne des stats en plus? Parce qu'en vrai,
Y a peu de chance. Ah, quoi que ça ferait rebondir, mais merde. Bébé sec est drôle aussi. Quoique, ouais, Dry Baby, si c'est cool pour Conjoin, mais en réalité. Déjà, ça me coûte de l'argent, donc ça me fout de la, dans la merde pour le God truc. Et si tout le monde meurt en même temps, je peux pas prendre le pognon. Mais bon, bref. Ça baille. Oh, the dirty buys. Oh oui, oh le rubber cement. Parfait ça. Vas-y, je dois aller vite en vrai. Faudrait que je trouve un health up hein, quand même, un de ces quatre. Voilà, typiquement. Il est déjà fort là. C'est incroyable le rubber cement avec cette merde. Non. Non mais pourquoi je les ai pas laissés venir? Oh, toute la thune que j'aurais pu... Venez. Sacrifice là. Et c'est full de la base. Oui. All machine, parce que gars, là Game Kid, il y a un doigt, rien de particulier. Celtic Cross, ah mais même Deep Pocket. Ah oui, Deep Pocket c'était incroyable, More Money. Ah oui, donc du coup je peux avoir plus de 100 balles. La mouche. Ouais, faut que je vois le. Angel Room avant. Vraiment? C'est totalement con parce qu'il y a des trucs qui vont me donner du stats up. Enfin, du health up. Pas le bon bouquin, hélas. La mouche, j'en veux pas vraiment. Ça sert à quoi le health up? Ah mais oui, c'est pas Keeper, c'était une tête Keeper, j'ai gaspillé 15 balles, bravo. Pourquoi je dis pas mon bouquin? Parce que j'ai
Merci à Sébastizac pour le raid. Qu'est-ce que je fais? De la merde. J'utilise pas le bouquin parce que j'ai de l'ampoule. Qui fait que je gagne un all stats up quand mon objet est full chargé. Oh là là, ok. Sacrifice Room. Ah, mais putain, encore un Curse of the Blind, le jeu sous de ma gueule, sérieusement quoi. Il faudrait vraiment le swallow de Penny. Hein. Ouais, une belle assurance vie. Que je joue seulement la Sacrifice Room si j'ai rien là. Faudrait que j'aille au shop bombé. 14-39. Non, vas-y, on va tracer. Oh, là, c'est l'histoire. Oh, le Bouncing Tears. Let's go. Ouais. Nice. On la joue pas, je pense. Faut avancer, je veux, bon, je veux mon boss rush. Hein. Le shop, ben, je suis en Curse of the Blind, donc le shop. J'ai pas fait les challenge rooms alors que c'est des objets super forts. Peut-être une erreur de ma part. Il y a toujours la possibilité de mourir connement. Oh là là. Non, venez. Ah. Mais non mais putain. Ah mais maintenant c'est trop tard. Oh là. Je me déteste. Incroyable shop cependant. Hein. Bravo. C'est chiant. Faut pas tirer. C'est un cœur noir qui se transforme en mouche. Non.
Ah, j'ai que deux cœurs par contre, j'ai jamais eu un health up. Hein. Ah mais non, mais avec lui ça compte pas, putain, amnésique. Probablement The Cage, ouais. Pas dingue, mais bon. J'imagine qu'ils vont arrêter de me donner de la thune très vite. Genre, c'est déjà le cas. Oh merde, ça c'était un drop du chest. C'est une pièce qui allait jamais bouger. Par erreur. Il faut absolument pas que je touche à la pièce si elle revient là. Oh là là, les bouncing tears ça, avec ça là, ça fait le build. Hein. C'est incroyable. Insane. Hey, le chest là, tu me lâches. Oh, tu me lâches une petite pièce encore parce que j'ai fait le con. Je pourrais utiliser mon bouquin, mais en vrai c'est tellement fort là. Cool, je suis très très bien comme ça, je pense. Oh, one shot. C'est formidable. Oh putain, ça va être une Yera. Hein. C'est quoi? Si c'est une Elguise, on lui va peut-être, non? Non, c'est Yera. C'est intéressant aussi. Je pourrais utiliser mon bouquin quelques fois, je pense. Wow, c'était tellement rapide. Bah ça me sert à rien, hélas. Je peux garder Yera pour The Lem. Hein. Tout ce qui est là est sympa, mais pas archi nécessaire. Plateforme rigolo. Il y en avait deux similaires pour ça. Ok, go. Il y aura les pièces temporaires, je ne sais pas. Triple Devil Deal. Ouais, mais peu importe. Je reste sur le Godroom, moi. J'ai... Avance. Non mais quoi que le je l'ai fait, c'est ça? Oh! Le seul intérêt que j'aurais à aller voir c'est si vraiment je me dis que je vais avoir un build insane, enfin que j'ai envie d'avoir un build encore plus insane, et de prendre ce risque. Je suis pas si sûr. Hein. Avec ce perso, la défense. J'ai un Celtic Cross, mais c'est à la touche, hein, donc c'est la merde. Y'a pas de sacrifice, hein, ouais. T'as verré. Oh, c'est une échelle de corde, ça, ce bruit.
pris Hollow of Lies par exemple, ouais. Là, qu'est-ce que j'ai? Me laisser ça en soin. Je pense pas qu'on fasse hush, hein, même si devenir puissant serait très drôle. Merde. Oui. Et bien vu la lueur. Oh là là, on a une luck positive. Bravo. Oh, c'est chiant. Ouais, pas surtout, ok. C'est vrai qu'à Hoche, il y a un magasin. Excellent activable et surtout moins de charge, et en plus je vole avec ça, donc très très bon switch le poney. Ouais, bon, il y a un shop à hush, mais est-ce qu'on va vraiment y aller en mode gridance, quoi? Le seul but serait d'avoir un build fort pour Delirium, et c'est un énorme gamble, et à battre on a déjà battu hush, donc bon. Hush, oulala, pas si sûr. Écoutez, on peut tenter et on le regrettera, et ça sera une erreur. Et notre but, c'est quand même faire Satan The Lamb. J'ai bien mon Yera encore. Oh là là, j'ai eu si peur. C'est chiant. Mais non, je suis con. C'est la secret, oui. C'est pas la super secret vu qu'elle était avant. Ma vie pue. Plus 4 bombes. Est-ce qu'on va vraiment jouer Hush? Quand même des doutes, hein, je dois bien vous l'avouer. Oh, trop chiant. Ah. Je faisais pas gaffe. Oh, il y a une sacrifice. Oh, lock up.
Heureusement qu'avec mon ampoule, j'ai quand même un tirail de ouf. Bait, ils m'ont mis la double. Ça c'était marrant, mais j'ai pas le jouet. Méga Satan, c'est fait. Ah non? Putain, j'ai eu deux God Room sur tout le run. Abusé en vrai. Hein. C'est fort le lance-flamme, ouais, moi je vais garder le vol et mon roll stats up de l'ampoule. Sacrifice Room peut-être? Peut-être. Il me faut du drop de pièces. Le problème c'est que j'ai quasiment tout pris. Combien de temps? 27-40. Ça va être chaud je pense. Fais pas le con par contre. Ah oui. Sinon je peux vraiment le jouer YOLO en tentant des nouvelles pièces en rentrant avec un cœur. Et en plus niveau temps c'est terrible. Attention, vous êtes prêts pour la mort stupide? Il y a un IRA. Ah oui, j'aurais dû IRA les pièces. IRA. Pourquoi j'ai fait ça alors que j'ai un IRA pour... Mon IRA c'était pour The Lamb et pouvoir acheter 8 Devil Deal. Chose que j'aurais pu évidemment faire vu que j'ai 250 pièces. Est-ce que je suis dégoûté? Oui. 29 minutes. Faut que le prochain me donne des pièces. Dégoûté, putain, le Yera, pourquoi je l'ai claqué? Vas-y. Des pièces, s'il te plaît, merci. Ok, on s'en fout, ça sert à rien. Nice try. Donc je fais vraiment ça, là. C'est bien Pandora's Box ici. La réponse immédiatement. Non. Ok. Vraiment. Oh non, j'ai cru que c'était le black market. Mais du coup, je... Mais c'est le meilleur des... Mais non ! Zi Emperor. Oh putain, heureusement que j'ai Zi Emperor. Oh là là. J'ai pas envie du Zodiac machin là, c'est chiant.
font Shielded Tears contre Hush, normalement on est pas mal quoi. La grande inquiétude évidemment c'est le fameux moment où il y aura toutes les armes continuum infini là. J'espère que Seat se file Ah, c'est pas si évident que ça, hein. Ah oh oui, on voit à quel point c'est fort contre lui. Je pense que j'ai... C'est même mieux que je tire de loin, non? Je permette le fait qu'elle pète tout le temps. Genre là. Avec les tirs perçants, ouais. Là, si je lui mets tout au cac, ouais, je sais pas. Le problème, c'est le DPS qui est pas dingue. Et si le combat dure, ça va devenir compliqué à cause des tornades et... Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est là le problème. Est-ce qu'on élimine assez? Oui, on élimine quand même pas mal. Oui, c'est confortable. C'est très confortable. Là, c'est parfait parce qu'on élimine avant même que ça devienne un problème. Le Midas Touch. Non. Non, pas comme ça, pas comme ça. Non. File du pognon. Ok. Quand même sur The Lamb. Hein. J'ai juste plus Hiera quoi. Putain. Dégue. Parce que mine de rien, là je Satan, je suis pas sûr de le tuer. Hein. Mais si j'arrive à The Lamb, Hiera m'aurait permis d'avoir 8 Devil Deal avec juste de l'argent. Ah oh, j'ai plus de bombes. La baise. Ça donne pas de bombes. Oh, j'ai cliqué toutes mes bombes. Je vais aller à ma secret room, moi. Ouais, c'est confortable, ça. Par contre, si je peux récupérer ça, c'est mieux. Je suis con, il peut peut-être y avoir une sacrifice. J'aurais dû laisser toute cette thune. Je crois que je sais pas s'il peut y en avoir à Satan, peut-être. Je vois rien. Ouais, l'ampoule elle file vraiment de tout, dont de la luck, c'est vrai.
Ah oui, méga Satan, mais putain, mais Yera, quoi. Putain, j'ai balancé mon Yera qui m'a servi à rien. J'aurais pu avoir 8 Devil Deals. Merde. Peut-être que la machine de Crystal Ball, là, elle pourrait me filer un truc. Un Yera ou un Algiz, mais. Par contre, tu vas pas me filer, tu vas pas me piquer 100 balles quand même. C'est prévisible, mais bon. J'ai marqué. Ok. Bah. Je vais aller le faire, même si je m'en fous, parce que si c'est Small Rock, c'est génial. Trinket, mais bon. Ah, c'était fort ça. La VU contre. Je sais plus ce que ça fait. Pas pour les. Par rapport aux salles de planétarium d'ailleurs. Bon, bref. Pas okay. Trop tard, hein, c'est ça. Il me semble que c'est ça. Je pense que c'est pas mal, non? Ça nerf mes dégâts, mais je me dis que je vais avoir un tirade fou. J'ai déjà quasi max tirade, ouais, mais ça me permet de bypass, non? Ça nique le cap, je crois. Mais du coup, c'est marrant, vu qu'elles vont loin, si... faut que j'avance pour faire du bouncing ball. Et ah oui, je pense que c'est worse. Hein. Que même un combat qui dure, voilà. Si le combat dure, il se passe des dingueries. Donc, it's ok. Sacrifice là? C'était trop worse pour le coup. Ok. C'est pas... Je l'ai fait exprès. Ok. Voilà. La sacrifice room là c'est imminent. Hein. J'espère que vous êtes prêts. Putain, mais mon Yera, pourquoi? Pourquoi je suis con? Ah, j'ai 5 de luck! Oh là là, ouais, de bon augure pour The Lamb. Non. Quand même un sacré sum pour Yera. Hein. C'est franchement fort dommage. Que là, c'est pas comme s'il me manquait de l'argent, même si les 6 objets étaient ouf et étaient des objets à 2 cœurs, donc des objets à 30. Bah, je pouvais tous les acheter. Yera, pas... Ah oui, mais c'est vrai que si j'avais pas eu Zi Emperor, je me serais fait baiser par la glitch room. Donc bon. Au final. Bien vu, bien vu. Ah ouais, quand même.
Alors Abaddon, ça va me foutre dans une merde de ouf. Faut pas que je prenne Abaddon, on est d'accord. Ça va mettre à 0 HP. Je pense que ça me met à 0 HP, c'est ça le bail. Marrant parce que objet a une unique charge, mais inutile pour moi. Et le vol, je l'ai grâce à Oponay. Luck. Allez là, 6 de luck, là, ils sont où les chests? Pas de respect quand même. Respectez les artistes. What the fuck. Sérieusement? Bah non. Rien. What the fuck? Tech 0, imaginez Tech 0. Ah, t'es drôle, Tech 0. Ah, je pourrais faire du monster manuel à l'infini, c'est pas mal, non? Oula. Au secours? Merci. C'est les coffres, hop hop. C'est... Faire. Donne quoi, juste par curiosité, ça va pas être... Marrant, mais... C'est marrant, ça, c'est pas la première fois que je vois ça, qu'ils mettent la pelle ici. C'est juste un espèce de faux tips, vu que c'est pas la bonne pelle. Mais j'avais pas vu que j'avais No. Ah ouais, mais ça me nerf. Mais No, ça me permet quand même de, d'avoir des objets non spacebar. Ouais. Bob's Brain est safe. Ah oui, parce que j'ai host hat, donc j'explose pas. Enfin, je prends pas les dégâts d'explosion. C'est juste. Hein. Aïe. Comme c'est pas mal. J'ai des effets sur mes larmes. Va prendre Abaddon par erreur, par pitié. Ah mais en vrai j'aurais dû prendre le bouquin plus tôt, parce que là j'arrive à m'en sortir même sans mon ampoule. Bon c'est pas grave. On va plus faire une armée de familiers de ouf. Est-ce que c'est une erreur? Probablement, mais j'ai host hat, donc je me devais de le faire. Mais non, ça va. Non, ça va pas me soigner. Est-ce que ça soignerait alors? Est-ce que ça soignerait les cœurs coin?
Si c'est le cas, c'est win. Mais non, c'est pas pyromaniaque, je suis con, c'est host hat, c'est juste la résistance, l'immunité. My bad. J'ai pas eu un Meat Boy niveau 8. Attends, le Monster Manual, il a fait quoi, là? Ah si, j'ai une mouche. Ok, Bob's Brain. Bob's Brain. Je reprends mon petit choual. Un petit Money Equal Power, là, ça aurait été drôle, hein. Ah oui, c'est ça le truc qui aurait été fou à trouver ici. Imaginez, au lieu d'Abaddon, on aurait eu Money Equal Power. La belle histoire. Merde, c'est où qu'on a commencé? Au gauche? Ah merde. Ah bah oui, il y a le... Putain. C'est une erreur, hein. J'avais un build de malade. Ensuite, bon, ça va être cool, mais... C'était quand même une grave erreur. J'ai 48 de dégâts. C'est dommage que Monster Manual m'ait pas fait pop un cavalier de l'apocalypse. Je crois que ça prend pas, je crois. En fait, mon build était trop fort contre Méga Satan parce que ouais, j'avais un tirade qui faisait que je pouvais me prendre aucune larme adverse, je cancelais tout, mais bon. Genre là, c'est fort, mais je pense que c'était encore plus rapide. Avec le bin normal. Ok. Il a fait Delirium ? Non plus. Peut-être une erreur. Hein. Mais bon, il me file host hat. Comment ne pas prendre IPK, quoi ? Ça aurait été une honte, on en aurait voulu. À juste titre. Le death, vous avez vu death? Non, c'est normal. On est quand même pas mal, hein. Bien fait de pas rester prêt. Delirium, 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 yes! Ok. Mais bon, ça va être chaud quand même, hein. En fait, j'essaie de me dire qu'est-ce qui pourrait rendre ce build plus efficace. Je vais toujours avoir ce problème de tier rate. C'est quoi ça? Soul of the Keeper. Je suis le Keeper, ça tombe bien.
C'est plein d'argent, j'hésite à l'utiliser du coup. Soy milk serait incroyable. Ouais, imaginez la petite pilule de cheval là, c'est double health down, génie. À mon avis, Soul of the Keeper, c'est masse de pognon. Je vais le garder. Enfin, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Enfin, en tout cas, c'est un truc que je vais garder contre le boss, c'est sûr. C'est vrai que même mon tech 0, enfin tech 0.5 là, du coup, bah il est à 48, 36 de dégâts quoi. Petit détail. Coins là. Oh, c'est quoi ça? Je l'ai pris le gold penny là? Il y en a encore un. C'est quoi ça? 411, 412? Ah, trop marrant. Ah, ok. C'est marrant parce que je viens de le débloquer. Donc on a débloqué des pièces qui rip-hop. Oh, j'aurais... Zermite peut être sympa pour s'échapper. Si ça pue la merde. Est-ce que je le tente tout de suite avec Soul of the Keeper? Je vais peut-être le tenter avec Zermite, le boss fight, hein. Dans un premier temps. Mais cette fois-ci, il faut vraiment que j'applique le principe de si je me fais toucher une fois, tout de suite j'utilise et j'arrête d'essayer de tryhard un peu plus. Parce que ça, j'ai perdu un nombre de parties à cause de ça, incalculable. Chat. Oh, Guppy Pécac. Guppy Pécac. Ça serait incroyable. Mais c'est mon premier objet de Guppy, donc c'est fort improbable. Couche avec Ipécac, hein, c'est incroyable, forcément, vu qu'on a beaucoup trop de dégâts. Pyromaniac sinon, hein. Pyromaniac c'est ça hein, qui me fait gagner à 200%. Small Rock là? Je crois que j'ai plus vraiment besoin de dégâts quoi. 465 gold j'avoue. Hein. J'ai même pas besoin de tryhard parce que mon chien hurlerait s'il y avait une échelle de corde. Alors c'est vrai que je peux rentrer dans toutes les salles vu que de toute façon j'ai une carte de TP, mais bon. Je vais quand même essayer de faire ça proprement. Il est éternué, au secours. En train de mater la map. Ouais non, ça m'arrange pas.
Ah, ça, ça m'arrange. C'est-à-dire que Delirium peut... Enfin, à gauche et l'autre à gauche, c'est safe. Oh là là, Bob. Oh. On avait des batteries ici et là en plus, non? Pourquoi elles sont pas indiquées d'ailleurs? Ah si, y en a une en haut. Qu'est-ce qui se passait déjà vu qu'on peut pas recommencer les tâches quand on fait une glitch room? Je sais plus ce qui se passe. Ou c'est juste plus possible, bref. Ah oui, je vole plus. Ah oui, il faut que je fasse attention à ça. Ce serait tellement incroyable de trouver un shop. Ah, échelle de corde. Putain, j'ai toujours pas trouvé de... Il y avait des vases là, je le trouverai quand, vous pensez, mon... Soit l'autre Penny. Ah, c'est marrant, il y en a... Okay. Okay. J'ai BFF, donc familier, c'est cool aussi. Small Rock. J'ai pas, j'en ai pas besoin, c'est pas grave. Oh, le rock. Non. J'ai eu un truc d'invincibilité donc ça me fait un peu chier. Carotte. Gigantesque carottasse. Et non, là c'est juste qu'il me laisse pas sortir quoi qu'il arrive des limites du terrain, ok. Je sais pas si j'ai intérêt à faire à rentrer dans plusieurs salles rouges d'affilée plutôt que de découvrir au pif quelle est la probabilité de trouver un. Le Red Shop, si on a un... Est-ce que y a même une logique derrière, d'ailleurs, etc., etc. Pourquoi c'est pas en droit à droite? Ah oui, parce qu'on a déjà le 13 sur 13, là, c'est ça? Exact. Très subtil. Pas de logique pour l'ultra, ok. Il faut quand même l'ouvrir avec une bombe, c'est pas vrai, enfin je comprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc en théorie c'est bon là quoi.
suis capé là, non? Ah non. Nice. À droite, c'est bon aussi. Ah, il y a une logique. Dommage. Ah, si, si y a une logique, faut demander. Oui. Ah. Ah oui, merci Lucas, bien sûr, ce cuit-ci. Je croyais que vous parliez à quelqu'un qui avait donné. Hein. Tips. Curse Tie. Oh non. Ah, la petite batterie, c'est cool. Curse Tie me permettrait de charger plein d'IPCAC, mais... Si je me fais toucher, je me TP out. En vrai, est-ce que c'est pas génial, Cursed Eye? C'est exactement ce que je veux, non? Non? C'est juste que c'est retry à l'infini. Il faut juste que je le fasse en perfect sans jamais me faire toucher. Mais en réalité, je ne peux pas mourir si je charge tout le temps mon tir, en tout cas. J'ai une carte qui est... Ah oui, c'est vrai. Vous me spoilez, mais je vois ce que vous voulez dire. Mais je trouvais ça drôle quand même. Alors attendez, du coup là c'est plus chiant parce qu'il peut être en bas. Ah il peut pas être... ouais, il y a un safe spot. Il y en a deux du coup. Bah non. Ah il y a plein de possibilités là. De toute façon on s'en fout parce que... je vais TP out et je vais reprendre mon... Ah ouais mais il est où? Oh là là, j'ai visité tellement de pièces. Ah c'est là où il y a la rune. Bon, je piffe. Il me laisse aller en bas. Oui, c'est ok. D'accord. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, putain, il y a grave de la place en bas. Le keycoin même pas. Ok. Mais il y a peut-être un moyen de gruger déjà. Genre. Est-ce que... Si je vais... là. On me laisse faire une raid à droite. Non. Moi je dis il est là. Oh, j'ai ça aussi, ouais. Alors, j'ai une batterie pas loin. Enfin, pas loin, si, j'ai une batterie à l'autre bout du monde. C'est juste que je vois que là, j'ai le truc qui permet de réutiliser, avoir une chance de récupérer l'objet quand on l'utilise. Je me dis qu'avec Soul of Keeper, ça pourrait être drôle. Ah là, c'est dommage que... imaginez si j'avais pré-shot ça et que à Hush, j'avais pris le penny, enfin le truc où quand je prends des pièces, je spot des mouches. Ça aurait été intéressant.
On peut pas Red Door là-bas non plus. Ouais, donc ça. Peu importe, c'est. Ouais, je vais quand même faire le combat avec l'ampoule, je pense. Hein. Ah oui, mais putain, les IPCAC Spectro, qu'est-ce qu'on en pense? Pas grand-chose. Au moins, je vole maintenant. Moi, je prends le Soul of mes couilles. Hein. Ouais, mais du coup, je pourrais prendre Cursed Eye quand même. Je peux prendre Soul of mes couilles et Cursed Eye. J'ai l'impression que vous avez pas le beau jeu. Je vais être obligé de vous corriger. Moi j'aime pas hein, cette négativité là d'un coup. Si tu te fais toucher, tu peux te faire TP. Mais je sais très bien. C'est exactement pour ça que je le veux. Ah, il y a deux batteries. Ah oui, il y en a deux. Ok, cool. Il chope, là. Ah, mais c'est en bas qu'il y a de la place pour de la raid, là. Moi juste me débarrasser de tout ce qui pourrait poser problème. Attends, est-ce que je peux me refaire TP vers The Lamb? Ouais, mais du coup je rejoue un 50-50 et même pas parce que j'ai pas le truc, ouais, donc j'ai très peu de chance de revenir des vieilles. La boucle. Ah, finalement, la rage de sens. Non, c'était pas cette partie, je sais même plus. Il me semble. Ça, c'est insane. Je vais me faire 12 000 mouches avant Delirium. Je l'ai pris, mon Cursed Eye? Ah, merde. Dommage. C'était peut-être plus nécessaire. Ok, oui, c'est les cœurs. Mais lui, vu que les cœurs sont transformés automatiquement en mouches, c'est bon, non? Des mouches qui font 47-95 de dégâts x2 ou 2,5, donc c'est trop tard. Mais c'est beau. Je vais quand même faire le premier range parce que je peux avoir les 30 pièces en drop. Ou les Soul Hearts. Quoi qu'il arrive, je vais avoir des mouches. Là, c'est les bombes, c'est ça.
Ah ouais, oh là là, il y a eu plein de mouches qui se sont rajoutées. Oh, le play of the game. Faut quand même que je laisse des pièces parce que grâce à Cursed... Grâce à mon Cursed Eye, n'est-ce pas? En plus, j'ai 6 de luck, je sais pas si ça joue, mais on en voit plein se rajouter là. Ah ouais, ouais, il y en a plein qui pop. Je vais probablement prendre le Continuum Infinitium mes couilles là. Ah, j'ai deux batteries, donc je peux recharger ma red key. Ok, je pensais pas que j'avais encore deux mini batteries, c'est nice. Ah, c'était un pack de batteries en haut? Carrément. Ensuite, on peut tenter la pilule 48 Hour Energy et se retrouver avec le Health Down. Plaisir. Ça bon, je vais laisser les 2-3 pièces qui restent au cas pour ma TP imminente. Oh merde, le light bulb, je l'ai laissé près de la sacrifice. Hein. Ou dans la sacrifice même. Ouais. Allez, c'est parti. Belle partie. Hein. 1h19. On a tellement opti, mais le build était tellement fort que Delirium a pas duré. Enfin, The Void a pas duré si longtemps. Pas de dernier red key. Bah, je profite du fait que j'ai un all stats up avec la full charge. Ok, comme prévu, c'était ça. Il se fait toucher. Ah oui, merde, c'est vrai, je joue Cursed Eye. Eh, mais je me suis pas fait TP. Pour une raison que j'explique pas. Oh, c'est nul, j'aurais jamais dû jouer Cursed Eye. Mes excuses à toute la communauté. Ah mais je peux quand même... Ah oui, je peux faire ça aussi. Je peux spam. Quasiment spam. En mode chocolate milk. Mais arrête de prendre les pièces, faut pas. Mieux vaut que je reste à gauche. Il est hors de question qu'on le batte pas. Le fameux bug.
Ah, la TP imminente. J'en fous un peu partout. Oh. Partout, c'est ça la strat. Et que je sois toujours mobile. Oh, heureusement que j'arrêtais. Je vais mourir ? Jamais douté, hein. Jamais douté. On a débloqué Keeper Skin. Merci Jacques Facial. Les 420 bitcoins. Petit Champi66, Kyorio. L'Insta Flou. Xweary Cholou. Six Strike 9. Pour les nouveaux subs, Leto. Hubo Hu pour les 4 siècles. Tarkos le Bonbou. Ataoui, les Polaris, merci. Keeper Skin. Oh là là, quel spectacle! Et on est 15 000! Oh là là, mais c'est reparti! Attends, mais j'avais mis à jour! Parce que là, ça fait 4 secrets. Hein. Pas 182. Ah, c'est bien ça, on a débloqué 4 secrets sur ce run. C'est incroyable. Ah bah oui! On a complété la zone grisée de The Lamb et The Chest. On a complété la zone grisée de Boss Rush et Hush. On a fait Mega Satan et on a fait Delirium, ouais. Alors. Magnifique. Alors. Du coup, qu'est-ce qui reste sur le tirage à 15K? Des bisous YouTube.